Et voilà les amis, je suis aujourd'hui en Belgique, au lac de l'Oder, à ce qu'on appelle la Plate Taille. Alors regardez comme c'est beau, hein. Regardez comme c'est beau. Vous avez vu ça? On a les bateaux là-bas au fond. C'est bien tranquille, hein. On a beau être mercredi aujourd'hui. Pas un bruit, pas un gosse. Personne. Il faut dire qu'il est de bonne heure, mais bon, quand même. Hein. Et alors, ben, comme c'est un grand lac, hein, on a avec le vent quelques vagues et ce bruit des vagues là. Et puis ça, c'est un bateau d'un plongeur de la sécurité là-bas. Alors, il y a une promenade aussi, parce que moi j'aime bien les petits sentiers, mais là c'est une promenade aménagée, hein, pour les gens qui veulent faire le tour du lac. Il est immense. Alors ici, chez nos amis belges qui sont décidément plus intelligents que nous, il y a des poubelles jaunes à peu près tous les 100 mètres, on va dire, pour foutre tes papiers et tes merdes. Voilà. Ce qui fait que bah, les abords du lac, sur cette piste-là, bah, c'est vachement propre. Hein. Les sous-bois sont propres. Et en fait, oui, tout est nickel ici. Hein. Tu vois pas un mouchoir en papier traîné, tu vois pas un masque traîné, enfin rien quoi. Voilà. Prenons exemple. Eh bien voilà, hein, y a comme des petites criques. Des petites criques bien sympathiques. Alors évidemment, vous vous en doutez parce que vous me connaissez, voilà les endroits moi que je préfère. Hein. Une marche en sous-bois, il n'y a rien de tel. Près du lac. Et puis c'est tout. Voilà, faire le tour du lac par ces petits sentiers là. Voilà. Ça me va. Il y a vraiment des petits coins qui sont hyper sauvages. Alors tout là-bas au fond, on voit les maisons, les bateaux, la civilisation. Mais ici, regardez-moi si l'eau est claire là. Et pourtant, elle vient baigner la terre et la racine des arbres, et regardez cette clarté. On voit les cailloux au fond. Là. Et je continue par là. Regardez ça.